Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans l'étrange Alan Wake 2. Évidemment, comme d'habitude, casque ou écouteur, plongez-vous dans le noir, c'est toujours mieux. 4K 60 FPS, un petit truc à boire et à manger, et surtout on n'oublie pas le j'aime. Vu comment je vous tartine, je pense que c'est bien mérité. Mais après, c'est évidemment à vous d'en décider. Allez, on était en train de faire un petit profilage là les amis. Grâce à son intuition, Saga peut découvrir de nouveaux indices en établissant le profil des personnages impliqués. Ok. L'agent Nightingale est porté disparu depuis 13 ans. Comment il a fini là? Surgissant du lac qui n'en était pas un, il fait noir. Il était là aussi. Interdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Robert Nightingale venait du lac avant d'être tué. Ok. Nightingale a été choisi comme victime. Pourquoi ? Allume-moi ça. Il fait clic. Il fait noir. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Cet acte violent n'a pas été commis au hasard. C'était un rituel. Et Nightingale un accessoire. Il n'était pas vu comme une personne, mais plutôt comme un récipient. Ok. Pour l'instant, les gars, on est plutôt sur une bonne soirée. Ok. D'où venait la victime? Donc, elle venait du lac. Vous l'aurez compris. Ok, ça, on l'avait déjà lu. Bon, écoutez, c'est plutôt j'ai l'impression que le lac est lié à Nightingale. Casey, on va faire un tour près du lac. Passe devant. Ça me va. Par là, c'est ça? Ouais. Bon, très bien. Je vais juste... Je vais attendre là. Ok. Ok, ok. Je... Toujours du mal un petit peu à imaginer à quel moment ça partit en couille et comment. Il s'est passé un truc au lac? Je pense que Nightingale est venu de par là, de ce lac. Il cherchait sans doute un lieu sûr, un abri. Mais quelqu'un l'attendait. Quand tu seras prête, j'aimerais bien que tu me fasses part de tes conclusions. Oui? C'est pas si compliqué. Nightingale était dans les bois, seul, la nuit. Peut-être nu. Les tueurs savaient qu'il était là, l'ont piégé, traîné jusqu'au camping, attaché à la table et lui ont arraché le cœur. Mais ils ont été interrompus par des témoins, les bookers. Résultat, ils n'ont pas pu finir. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Pourquoi ce type se baignait à poil à cette époque de l'année? Ça... Petite maison. Quelle question. Ça en fait des réponses à trouver. C'est ce que je préfère. Petite maison. Bizarre l'ambiance. Bon, y a de toute évidence eu un repas par ici. Ok. Vous croyez que c'est important si on laisse ouvert, si on ferme, je sais pas. Ouais, on va checker le camp là-bas. Avant de retourner direction le lac. Vous savez que j'aime bien tout fouiller. Bon, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Oh, mais c'est terrible tout ce qu'il y a encore. Vendredi. Aujourd'hui, Midge m'a dit que sa famille allait partir. C'est nul. Je n'ai même pas encore eu le temps de lui dire qu'elle me plaisait. À quoi bon maintenant? Elle a dit que ses parents voulaient trouver un meilleur boulot et la mettre dans un meilleur lycée dans une grande ville, je peux comprendre, qui voudrait rester dans un trou paumé, comme Bright Fall. Dimanche, je lui ai dit, elle m'a dit merci. J'ai envie de mourir. Lundi, j'ai encore fait le mur hier soir. J'ai fait un tour jusqu'à la grande maison près du lac au lieu de l'observer de loin comme d'habitude. Au lieu de rester ici à glander comme d'habitude, fais chier. Bref, il se passe des trucs bizarres là-bas. Je vais découvrir quoi? J'y retournerai demain avec du meilleur matos. Parie que je peux trouver un moyen d'entrer dans la maison pour prendre des photos. Ça va être trop bien. Ok, donc ça c'est les deux campeurs. Une boîte repas? Ça, c'est les deux campeurs. Oh, j'ai un inventaire. Avec un revolvers. Pas ce que j'ai trouvé, mais ça a l'air cool. Qui dit boîte repas dit peut-être de quoi récupérer ma santé. Oh. Une boîte repas du film Alex Casey.
Casey déteste toutes les blagues sur le fait qu'il ait le même nom qu'un détective privé fictif. Casey déteste ses polars. Et encore plus leurs adaptations. Je sais que les choses sont parfois dingues ici, mais si jamais vous avez peur, n'oubliez pas qu'Alan veille sur nous. Ok. Un fragment de manuscrit ? Qu'est-ce que c'est ? Les fragments de manuscrits peuvent être utilisés pour améliorer les armes dans l'antre mental. Attendez les gars, je sais même pas comment on sort un gun et vous voulez déjà que j'améliore ? J'en ai combien ? J'en ai un ! Oh, waouh ! Bon. Bon bah écoutez, on pourra tirer. Voilà, on a un pistolet, on pourra tirer, ça fait plaisir. C'est totalement bon à savoir. Allez, on se casse, il m'attend le frérot. On commence, mine de rien, à se douter très fortement donc, qu'il se passe quelque chose autour du lac. Que tout se passe autour du lac. Et donc ça, c'était les deux campeurs, c'est ça, si j'ai bien compris. Scène du crime, toujours, c'était derrière. Et c'est là-bas, le lac. Ok. Je vais jeter un œil. Je reviens tout de suite. Bah attends, c'est pas là, le lac ? Ah, c'est des marécages. Impossible d'aller plus loin. C'est trop profond. Ok. Bah vas-y, bah je reviens tout de suite, mon frère. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le titre qui est apparu ? Allez, on y va. J'ai jamais vu d'arbre aussi grand. C'est vrai qu'il est impressionnant. Ça me rend nerveux. Tu devrais sortir plus souvent. Mais c'est vrai que c'est flippant. Ok. Allez, on va check. Qu'est-ce qu'il y a près de l'arbre ? Papier par terre. Très bien. Prends. J'adore le papier. Des traces. Pieds nus. Nightingale. Oh, qu'est-ce qui se passe là ? On dirait que ça provient de sous le rocher. Ça n'a pas de sens. C'est quoi ce flou là ? Une page remplie de textes d'un côté. Pas imprimée. Écrite à la machine. À l'ancienne. Des lignes barrées qui ont été modifiées à la main. Un manuscrit ? Une page de roman ? Le tueur a laissé un message. C'est pour nous. Le texte parle de nous. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Et cette page qu'ils avaient trouvée, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes. Ces mots étaient comme un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et s'amusait à jouer avec eux. Une invitation. Comment la refuser ? Même si ça finirait par être aussi. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un est en train de jouer avec nous. T'avais raison. C'est tout à fait mon rayon. Nightingale était là. Ou il a lâché cette page, ou c'est un cadeau des tueurs. Est-ce que... Donc on vit un roman. En tout cas, on a l'air de vivre un roman. On va checker quand même le tableau d'enquête. Parce qu'on a deux indices très intéressants. Empreinte de pas. Donc, on sait que la victime provenait du lac, vous l'aurez compris. Et la piste a refroidi. Voilà. Je crois qu'il venait du lac. Trop d'inconnus, ça n'a pas de sens. Ces traces sont-ils logiques ? Mauvaise question posée ? Quoi d'autre ici ? Ok, ça c'est les mots qu'on a trouvés. Très très bien. C'était quoi là à droite ? C'est les pages du manuscrit, les fameuses. La victime était l'un des leurs. Ok. Donc ça, c'est pour retrouver le roman. C'était la page du roman qu'on a trouvé, pardon. Ok, la page. On a trouvé une page dans les bois. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale ? Je porte ces mots tout contre mon cœur. En moi, l'atroce vérité. Il faut les tuer. Ils
Ils ont mis quelque chose dans son corps. Dans son torse. Je dois trouver quoi. Oh, ça devient mystique, ça. Ça devient mystique de fou. À quelque chose caché en lui. Ok. Très bien. Je pense que j'ai tout. Il va falloir que j'examine le cadavre. Que je regarde ce qu'il y a dedans. Ça va être dégueulasse. J'ai appris tout ce que j'ai pu ici. Je dois ramener le corps en ville pour examen. Ça va être dégueulasse, les amis. Casey, je crois qu'ils ont mis quelque chose dans le corps de Nightingale. Demandons aux adjoints de transporter le corps à la morgue. D'accord. L'auteur de cette page a rédigé ça comme une histoire. De polar. Ça me dit rien. Attendez. Qui veille. Le texte dit qu'on va en trouver d'autres. Je veux bien le croire. Oui, mais dans quel but? Ils changent les événements afin d'écrire leur propre histoire pour... Pourquoi? Réaliser un fantasme? Projeter leur propre désir? Sommes-nous des acteurs ou des spectateurs? Des témoins de leur création? Ou tout ça à la fois? C'est pour avoir le contrôle. Décider de ce qui arrive à qui. Ne tombe pas dans leur piège. Trop tard, je suis déjà accro. Il me faut le chapitre suivant. Ok. J'ai déjà placé mon arme en raccourci, les gars. Je suis prêt à dégainer. Ça peut partir à n'importe quel moment. N'importe lequel. Bon, on va réouvrir ce curse. Ce fucking curse. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose ici. On est reparti. Allez, let's go, les amis. Ah, je commence déjà à me prendre à l'enquête, là. Vous êtes de retour. Bien. Vous n'avez pas été coincé dans une de ces grosses flaques. Ah, c'est vachement inondé, hein. Et comme je le disais. Mulligan, je veux qu'on amène le corps en ville au plus vite, pour pouvoir l'examiner comme il faut. Ouais, mais le médecin légiste ne revient que dans une semaine, après la fête du cerf. Aucun problème. Je vais le faire moi-même. Ah, et le shérif Breaker a appelé pour dire que les bookers vous attendent au Odir Diner en ville. Ah oui, et puis j'ai la clé du portail. C'est un raccourci vers le parking, en haut de la côte. Merci, mon frère. Clé de raccourci. Ça porte bien son nom. Merci. Prenons la voiture et allons à Bright Falls. On va aller en ville. On va parler aux témoins. Les bookers. Au resto, c'est ça? Je dirais pas non à un petit café. Suivons le raccourci mentionné par l'adjoint. Ça me va. Donc on reviendra ici. Ok, je sais toujours pas comment le jeu est construit, mais ça commence à me plaire. Ça commence à me plaire, je pense que vous l'entendez au sourire. Exclut les meurtres. Belle forêt. Et on a un logement sympa. On devrait aller faire une rando si on peut. T'es vraiment une sadique, Anderson. Les adjoints sont pas vraiment à la hauteur, mais j'espère que le shérif sera plus utile. C'est pas très étonnant pour les adjoints. On est déjà venu ici ou pas? Jamais. Ok. On va essayer de prendre connaissance des lieux parce qu'à mon avis, on va revenir ici et ça va s'ouvrir, je vous le dis. Générateur électrique, très bien. Qui dit générateur électrique dit électricité, super. Qui dit... Oh, un secret. Je vous ai dit quoi, les gars? Oh, je suis sûr qu'on a loupé des choses. Oh, je suis sûr qu'on a loupé des choses. Encore une boîte à repas. Qui peut semer tous ces machins? On est tous dans le même bain, héros. Passez une journée héroïque. Un fragment de manuscrit. Non, attendez. Là, je suis désolé, mais le doute... là, il y a des pages de manuscrit, ça, qu'est-ce que c'est? L'étrangleur des rails. Je suis fier de mérite. Ok. Et là, on a les pages du manuscrit. On est d'accord. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Ok. Disparu 13 ans. Ça, on l'a déjà lu. Ah, ben non, mais je suis bête. C'est les améliorations d'armes, les trucs de manuscrit. Oh là là, désolé, avec les touches, je vais avoir du mal avec le pavé tactile. Il y a une différence entre gauche et droite et c'est terrible. Très bien. Allez, on descend. Mais non, je suis branle, bichette. Commence pas, hein, parce que si on se fait poursuivre et que tu me fais ça, tu sais que ça va m'énerver. Allez, on y va. On y va, on y va. Pour l'instant, toujours pas sorti mon arme, j'ai toujours pas le feeling de quand on tire ou autre.
Je peux juste vous dire que j'ai 12 balles. Et j'arrive pas à relier tous les indices pour l'instant. Un autre chargeur de 12 balles. Cœur, un trépied. Et des traces qui nous mènent nulle part. Un trépied pour une caméra? Pour filmer un snuff movie? Peut-être. Et pourquoi arracher son cœur si c'était pour le jeter? Pour y glisser quelque chose à notre intention. Ok. Ah, faut utiliser la clé sur l'autre porte. Ça paraît tout à fait logique jusqu'ici. Non. Voilà, faut vraiment pas... Alors, gauche, c'est la carte, les gars. Droite, c'est pas la carte, ok? Parce que sinon, c'est infernal. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais faire un tour, une minute. Tu sais où me trouver. Oh, waouh. La faune la plus rapide du Nord-Ouest. J'ai enfin atteint Cauldron Lake. La clôture était facile à escalader avec le bon matériel, les bonnes conditions physiques que je possède. Heureusement. Prochain objectif, observer la très rare paruline verdâtre. Ok. J'ai remarqué des comportements étranges parmi les oiseaux communs des environs. Ils semblent en alerte et contournent le lac sans raison apparente. Aucun oiseau de proie alentour. En revanche, le vent amène des bruits étranges, mais rien que je puisse reconnaître ou expliquer. Ça commence à m'inquiéter. Les bruits se rapprochent. Je me suis enfoncé dans les terres. La végétation est magnifique! J'ai dû m'arrêter pour dessiner ce superbe arbre circiné. Il suffit de voir comment le lichen filamenteux s'y suspend pour comprendre que les arbres valent mieux que les humains. En parlant d'humains, j'ai vu un type complètement saoul tituber dans la forêt tout à l'heure. Il agissait bizarrement, peut-être un drogué. J'ai gardé mes distances. Après avoir vu ce type bizarre, j'ai décidé de changer encore de place pour m'installer un peu plus haut dans la montagne. J'ai trouvé un point de vue fantastique où camper. Mais je m'intéresse toujours à cette mélique à l'Ema subulée. Une plante invasive, mais comestible et étonnamment goûteuse. Et les gars, ils utilisent des mots de plus en plus complexes. J'entends des loups et des chiens errant depuis une dizaine de minutes. Mais leurs cris sont étranges, ils sont enragés. J'aimerais partir, mais la nuit tombe et mon fichu téléphone est mort. Je vais me cacher dans ma tente en espérant qu'il s'en aille. Il y a vraiment des choses qui clochent ici. Bon, de toute évidence, la nuit ici, tous les chats sont pas gris. Hein. Vous en doutez bien. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. On a peut-être encore quelque chose à droite, je ne sais pas. Ça vaut peut-être le coup d'aller checker. Non. Hé, hey, Casey, quel est l'arbre le plus souple? Arrête, Anderson. Pour une fois, est-ce qu'on pourrait pas éviter les jeux de... Le peuplier. Je comprends pas. Bien sûr que si. On y est. Retournons en ville pour retrouver le shérif au resto. J'ai pris un raccourci sans faire exprès. On est venu avec quelle voiture? Notre voiture d'enquêteur, c'est celle-ci, me semble-t-il. Allez, direction Bright Fall. C'est parti, les amis. J'arrête pas de penser à cette page de manuscrit. J'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça. Super boulot, pour l'instant. Avec ta technique et ton instinct, on avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère. T'as besoin de passer à l'hôtel pour prendre un truc dans notre bureau? Non, ça va. De toute façon, je vais me garer là. Je vais marcher jusqu'au resto, histoire de m'imprégner un peu d'air. Waouh, les gars, ça sent un délire à la Silent Hill. Trop bien. Trop bien, trop bien. Il y a peut-être moyen que ça parte en couille, même dans la ville. Mieux vaut ne pas faire attendre le shérif et les témoins. Ça sent bon le café. Bonsoir. Ah, salut. T'as un problème? Tu veux qu'on se règle? Ouais, c'est bien. Fais attention à toi. Salut. Bonsoir. Tout le monde dit salut, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous faites quoi, les gars? Ok. Y a une carte ici? Bah non. Bah non, carte non découverte, malheureusement. À très vite. Pas FBI, j'imagine. J'ai ma réponse. Bienvenue à Bright Falls. Content de vous recevoir. Je vous ai pris du café.
Le meilleur de notre état. Enchanté, shérif. Je prendrai un café. Ben moi, j'en prendrai bien un deuxième. Je suis l'agent Saga Anderson, et voici l'agent Alex Casey. Team Breaker. Écoutez, je suis content que vous soyez là. Franchement, votre aide ne sera pas de trop. Il y a des doubleurs connus, hein ? Vos adjoints nous ont dit que vous aviez deux témoins. Ils en parlaient comme des suspects. Oh, Mulligan et Sampton en sont encore là ? Non, les Bookers n'ont pas vraiment le profil de meurtrier. Mais je vous laisse juger par vous-même. Ils sont à l'intérieur. Ils prennent un café et une tarte pour se calmer. Je vais voir ce qu'ils ont à dire. Casey, fais le point avec le shérif. Prends tout ton temps. On a pu examiner les dossiers que vous nous avez transmis, shérif. Vous avez eu beaucoup de disparitions en dehors des victimes déjà connues. Oui. Excusez-moi. Je suis l'agent Saga Anderson. Vous êtes les Bookers ? C'est ça. Je suis Tammy et, voilà. Lui, c'est Ed. Bonjour, commissaire. Oh, appelez-moi Saga. Alors, est-ce qu'on nous accuse de quelque chose ? Parce que sinon, on aimerait retourner à Saga, notre hôtel pour que se toi, détendre finalement. Après ce qu'on a vu. Prendre un bain, crier dans des coussins. Enfin, vous voyez, quoi. On ne vous accuse de rien. J'ai juste quelques questions pour vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? Qu'est-ce que vous faisiez à Cauldron Lake cette nuit ? J'écris des livres sur les crimes. On est venu de New York pour faire des recherches sur un écrivain célèbre, Alan Wake. Il a disparu ici, donc j'étais au lac pour trouver des infos. C'est pas illégal. Pas la sensible. Qu'est-ce que vous avez vu dans la forêt ? Un type tout nu a surgi du lac. On aurait dit un fou. Il gueulait des trucs bizarres. Il avait dû prendre de la drogue. À moins que ce soit courant de faire des bains de minuit par ici. Puis, il y a eu des tirs. Et on a croisé ces dingues qui portaient des masques de cerf. Ils frappaient le mec tout nu à coups de couteau, comme dans une secte satanique. On a filé et on a appelé les flics. Pourquoi dites-vous que c'était une secte ? Ben, je sais pas. Les masques et les couteaux ? Et puis, ils criaient « La secte de l'arbre ! La secte de l'arbre ! La secte de l'arbre !» Oh, et puis, on a trouvé... Ed ! Tout ça a été vraiment... vraiment terrifiant. Ok, il y a un truc qui est apparu. C'est tout. Bon, il y a un truc qui est apparu. Il me cache quelque chose dans cette enquête. Et ça commence à me casser les coronets. Ok. Ok. Y a rien par ici. Les Bookers ont évoqué plusieurs agresseurs. Bon, y a rien par ici, d'accord. Donc, interroger les témoins au restaurant. Superbe. Oh non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je branle ? C'est pas évident les touches quand on est ici pour l'instant. C'est un merdier pas possible. Les dossiers des points d'intérêt renferment des objets et infos acquis par Saga, permettant de suivre la progression de sa collection. Le fait de trouver une boîte repas Casey n'était sûrement pas une coïncidence. Un autre message ? Oh, waouh ! Ah ! Ok. Zone de Brightfall. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Zone de... Bah, c'était là, c'était à Sheldon Lake. Boîte à repas trouvée. Ok. Ah, va falloir tous les trouver. Oh là là, ça va être terrible. Je pense qu'on en a déjà loupé une. Ça va être terrible. Ok, ok. Et évidemment, ça c'est le dossier principal. Et on n'a plus d'indices. Superbe. Superbe, superbe. Est-ce que niveau profilage... Oui, on a quelque chose. On a quelque chose, les amis. C'est bon, je commence à me faire au jeu. Les Bookers. La secte de l'arbre. Qu'est-ce que les Bookers me cachent ? J'ai trouvé leur collier. Leur symbole, c'est deux triangles. La secte veut son épicéa, Tammy. Il est à moi, Ed. Mon éditeur voudra le mettre en couverture. Tammy a trouvé un truc. Un collier appartenant à un des adeptes. Oh ! Les Bookers étaient à Cauldron. On a des intuitions de ouf, hein. Quoi ? La clôture sert à cacher quelque chose. L'écrivain serait tombé dans le lac.
Soirée privée. Pas d'intrusion. Mais c'est pour mon livre. Passe-moi le coupe-boulon. Ils sont entrés pour le livre de Tammy. Aucun rapport avec le meurtre. Ils ne m'ont pas menti. Ok. Et la carte, bon bah c'est là où on est, vous l'aurez compris. C'est une grande zone. Oh, waouh! Centre de soins, manoir. Oh, waouh! Père Grand! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un collier perdu par les adeptes? Ok. Waouh! Comment vous avez pu deviner? Il s'agit d'une preuve. Il va falloir nous la remettre. D'accord. D'accord. Je t'avais dit de pas garder ça, Tammy. Tête de triangle, des Illuminati. Merci. Ça pourrait nous être utile. Et s'il vous plaît, ne quittez pas la ville au cas où on aurait d'autres questions. On ne voudrait surtout pas manquer la fête du cerf. Saga? Saga Anderson? Oh là là, j'arrive pas à le croire. Je pensais qu'on te reverrait jamais ici après l'accident horrible, terrible qui est arrivé à ta pauvre petite fille. Bah... Ok, dis-le à voix haute. Comment vas-tu? Désolée, mais... Vous êtes qui? Je vois pas de quoi vous parler. C'est moi, Andouille. Rose. Tu me connais? Je crois pas, non? Et quel accident horrible est arrivé à ma fille? Elle... s'est noyée. Ta... fille... C'est vraiment trop bizarre que tu t'en souviennes. Comment vous savez que j'ai une fille? Oh. Oh. Je crois que j'ai compris. Tu as simplement refoulé tes souvenirs traumatiques. J'ai vu ça à la télé des tas de fois. Non... Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Bizarre là les gars. Elle t'a appelé Saga direct alors qu'elle t'a pas entendu. Salut. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Non, on est d'accord hein. On est d'accord. Ok. Normalement j'ai un autre indice. Voilà, à mettre quelque part. Les bookers, pareil, toujours. Hein. Toujours ça, ça bouge pas. Peut-être là, non? On a affaire à un groupe de tueurs organisés. Pas un tueur en série solitaire. Affaire classée. La secte de l'arbre a commis tous ces meurtres. Cette affaire vient de prendre une tournure bien plus complexe. Ouvrons un nouveau dossier. Ma première affaire de secte. Trop bien. Ouais, je sais pas. Hein. Les affaires secondaires... Répertorie les indices liés à des sujets plus vastes. Oh, waouh. Pour mettre fin à ces actions, je dois mieux connaître la secte de l'arbre. Ok. D'accord. Bon. Le collier est un premier indice. Forcément, il va où, les amis? Objectif de la secte, on n'en sait rien. Qui est impliqué? Non. Ça n'a rien à faire là. Et là, ah, je vois pas ce qui est écrit. Quel genre de secte? Je sais pas. Symbole de la secte? C'est un collier. On est bon. Les adeptes avaient des masques de cerf. C'est un symbole de la secte aussi. Non, pas du tout. Ou alors, peut-être... Ah, psychologie de la secte? Ok, cerf. Et grande quantité de provisions sur une table. Peut-être dans la psychologie, oui, totalement, totalement. Eh ben écoutez, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, les amis. Les amigos, super. Un homme tué par une secte, c'est plutôt extrême. Pourquoi vous n'avez rien dit à la police? Mais si, on l'a dit à ces deux idiots de flics. Sauf qu'ils écoutaient rien. Ils répétaient qu'ils allaient nous coffrer pour le meurtre. Bright Falls, c'est l'Alabama avec des grands arbres. C'est mon enquête maintenant, et personne ne va vous coffrer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir. Compris. Ok. Merci, Saga.
Et la meuf, elle m'a fait bader là. Je peux rentrer. Un cerf. Salut, monsieur le cerf. Tu me rappelles un rêve que j'ai fait. Oula. Oh, waouh. Oh, je sens que l'ambiance, les gars, elle va passer du tout au tout. Je sais pas quand. J'ai besoin d'un outil pour ouvrir. Ok, on a essayé. Mais ça peut être incroyable. Je suis trop pris dedans. J'espère que les deux épisodes vous ont plu. Surtout que je vais essayer de... Enfin, je vais essayer normalement. Si vous les avez, c'est que vous les avez eus dans la même journée. C'est incroyable. Ok, pour l'instant, je kiffe bien, les amis. Hein. Je suis vraiment pris dans le truc. J'ai trop de questions, trop d'interrogations. Et toi, par contre, la cousine, toi, c'est un délire. Alors dites-moi, Rose, rappelez-moi, comment est-ce qu'on se connaît déjà? Tout le monde se connaît par ici. Ça fait un bail, mais j'oublie jamais un visage. Donc j'ai vécu là. Ni une commande. Je dois sûrement avoir une tête qu'on n'oublie pas. Donc j'ai vécu là. Bon, on va lui reparler, mais lors de l'épisode 3, n'oubliez pas de jamais le commentaire, j'espère que ce début d'aventure vous plaît. À bientôt tout le monde. Bisous, bye bye.